Et oui, je fais une petite note tout de suite, mais spoiler, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dans le bonus qu'on a vu tout à l'heure, enfin que vous venez de voir. J'avoue que jamais je réussirai à trouver, je pense. Wow. Pourquoi il y a un grand espace comme ça? Je suis pas serein. Pas du tout ce qu'il faut faire, mais autant aller vers le haut. Je sais pas du tout ce qui nous attend. Waouh, c'est gigantesque ce qu'on a là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? 19. Soit. J'ai peur de ce qui se passe derrière cette porte. Wow. Ok, pour l'instant, rien de spécial. On va aller au sous-sol pour voir. Et puis, écoutez, on va voir ce qui se passe ici. C'est profond d'un coup. Je vais toujours vers la gauche pour commencer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc il y a un train qu'il va falloir actionner. Il y a un 2 dessus, du coup est-ce qu'il faudrait pas deux personnes? Les faire descendre là. Peut-être. Est-ce que c'est massif ce qui nous attend maintenant? Qu'est-ce qui nous attend? Là, je touche à rien pour l'instant, je regarde. Écoutez, on ira ici en dernier recours parce que je sais pas du tout ce qui nous attend. Ok.
Waouh, je sais pas du tout où on va là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour l'instant. Bon, écoutez, on va faire de la corde. Oula, ça m'a l'air complet ce qu'on a là. Ok. Là, en gros, je suis passé en God mode. Ok, nice. Merci les gars. Si je fais ça, c'est la mort. Ok, déjà ils sont pas suicidaires. Ils viennent avec moi. Cet épisode 4, il va durer plus longtemps que prévu. Calmez-vous, calmez-vous, ça va aller. Déjà on a tout ça. Si je pense qu'il va falloir aller voir le wagon. Tous ensemble. Wagon qu'il va falloir ramener jusqu'ici, peut-être. On va faire ça, hein. Ou alors il va falloir aller en haut là. Waouh, j'ai trop envie d'avancer dans le jeu. Je vais pas beaucoup dormir cette nuit, mais au moins on va kiffer et jouer ce jeu. Let's go. Il y avait pas une corde à la base. Ah, elle est là la corne. Ouais, bah à mon avis, faut la mettre là. Je sais pas ce qui nous attend ici, mais on va laisser le wagon là pour l'instant, c'est l'instant. Et on va aller voir ce qu'il y a en haut. Nice, merci les potos. Ok, nice. Ah ok, j'ai compris, j'ai compris. En gros, il va falloir me laisser tomber sur dans le wagon pour ensuite pouvoir avoir accès à la suite. Ça paraît simple hein, comme ça, mais il faut y penser. Allez, c'est Tipar. C'est Tipar. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais au moins ça va être cool. Je suis passé en god mode.
Moi, ce genre de lumière me dit rien qui vaille. Habituellement, mais bon. Si ça a l'air tranquille. Ouais. Ok. Oh, ce game design aux petits oignons. On tente des choses, hein. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Et sans rien, qu'est-ce qui se passe? Là, je loupais un détail sur par le passé. Je pense qu'il y a un truc à aller chercher par là après, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Je pense que c'est encore trop tôt pour venir ici. Et je pense qu'on va garder notre main-d'œuvre pour autre chose. Venez les petits potes, on va aller là-haut. Ça m'a l'air vraiment compliqué. Toujours 19. Ouais, déjà on va. On va déjà récupérer tous les bonhommes. Ah, mais ça c'est grave cool déjà. Ok. Ok, j'ai compris un peu le délire. En fait, j'ai pensé en un peu juste 3 secondes en retard, je pense. Waouh, ok. Admettons que ça passe. Je suis en train de réfléchir, mais ouais. On a déjà pas mal de gens. Ça nous fait beaucoup de gêne. Mais est-ce que ça nous en fait suffisamment? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des endroits où ça m'a l'air d'être compliqué de résoudre, en tout cas tout seul, la chose. Parce que tout à l'heure, l'énigme de tout à l'heure me paraît un peu bizarre. Cette session va être beaucoup plus longue que la dernière, ou alors sera coupée en deux. À moi de voir. Je crois qu'on a encore une grille. Je sais plus. Oh, ouais, nice. Je sais pas combien de gens on a. Ah oui, carrément. Ok, je sais pas trop à quoi on va s'attendre, mais... Enfin, on sait pas trop à quoi ça sent. On va aller voir ça tout de suite. Ce qu'il y a. L'enfant Dieu.
dans cette dystopie communiste, sans doute, où les anges sont aliénés. Ça fait beaucoup de gens. Ouais, déjà beaucoup de gens, mais peut-être pas suffisamment. Donc on va aller voir ensuite parce que ça me fait un peu flipper ce qui nous attend par la suite. Ok, nice. Je sais pas du tout ce qu'il y a par là. Ok, Pipos, je vous maltraite un peu, mais on va dire que c'est pour la bonne cause. Hein. Un peu de mal avec la poignée aussi. Mais bon, tout va bien. Non, mais il est mort là, si. C'est horrible. Il manque 3 personnes qui sont donc toujours bloquées là-haut. Enfin en bas plutôt. On va aller les chercher en bas. Et puis après on va s'arrêter là parce que j'avoue que je sais depuis combien de temps je tourne. Ça fait 1 heure que je tourne et à moins de faire 2 épisodes. Donc ouais, ça sera coupé en 2 à mon avis. Alors l'épisode 4 et 5. Voilà tout. Bref, tentons de... J'avoue, je sais pas du tout quoi faire. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a un bouton à moitié ou... Non, bah non. Je vais au moins trouver le dernier perso là qui nous manque. Allez. Let's go. Yes. La première, enfin celle que j'ai trouvée en premier va être la plus dure j'imagine. Bon allez, temps de trouver la dernière énigme, qui est pour moi la plus complexe, alors que ça se trouve elle est pas si complexe que ça. Et je pense qu'il y a des personnages ici, mais même là ça va être... Ouais non, il va vraiment falloir aller les trouver ici, tout simplement. Poup, 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 poup. Ah, j'ai peut-être une idée. Si c'est ça, j'explose de rire. J'en sais rien de ce qu'il me faut faire là. Ok. Ah, c'est bon, j'ai compris. Putain, j'ai compris. Oh là là. Ça paraît tellement con d'un coup. Voilà. Je me disais aussi.
Il y a toujours une solution, c'est quand on croit ne pas trouver qu'on trouve. Et voilà. Oula, vous allez bien les potes? C'est bon, on peut continuer? Nickel, alors j'ai vu un petit passage aussi sous le tout. Bon, la fille aux cheveux, elle me fait un peu flipper, je vous avoue. Je vous propose les potes de m'aider. Wow, ça me fait flipper presque. J'ai sursauté. What is the delayer? Est-ce qu'on va y arriver un jour à finir cette énigme? Donc voilà un truc bonus en plus. J'espère que cette fois ça va pas être impossible. C'est frustrant, je ne sais guère que faire. Le feu peut-être? Le feu sans doute. C'est flippant comme tout. Oh, j'en ai des frissons les gars. C'était fort en émotion. Ça a été presque instinctif, contrairement à la première énigme, j'aurais jamais réussi de l'épisode précédent ou celui d'avant, enfin l'épisode 4, parce que je sais pas du tout comment j'ai découpé ça. Bref. J'imagine qu'ici... Alors, est-ce que la mécanique est incroyable? Parfait. J'espère juste qu'ils vont pas revenir à la charge. Bon, normalement, c'est bon. Wow, c'est riche en émotion. Et nous sommes repartis. Allez, poteau, excusez-moi, on peut y aller. Et voilà, toute la clique est, là, et on est 19. Il ne manque plus qu'une personne, qui est donc le cadavre en haut. Mais voilà. Pourquoi je remonte ça? Ça sert à rien en fait. Ça ne sert absolument à rien. En tout cas, on est reparti. On sera resté sur un petit échec dans ce let's play. Bon, c'est le risque de la découverte. En général, mais en tout cas voilà. Je sais pas si c'est l'épisode 5 ou 6, mais en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette session en général, qui aura été donc découpée. J'ai pas mal avancé, du sous-marin jusqu'à l'ascenseur. Je pense que je vais mettre l'épisode 4 et 5. Donc là vous venez de voir l'épisode 5. J'espère que l'épisode 4 et 5 vous ont plu en tout cas. On va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié parce que le bruit ambiant est un petit peu... Et je veux voir, je suis curieux de savoir... Ah oui, on est vraiment qu'à la moitié. C'est ouf. On est qu'à la moitié, donc ouais, il va y avoir moins 10 épisodes, je suppose. Je sais pas du tout, je pense qu'il y aura épisode 4 et 5, donc sous-marin 4 et le début de la grosse énigme 5. En tout cas, c'était Aquac pour vous servir. Et même au-delà de servir, pour vous divertir en tout cas. Et je vous dirai simplement, sayonara.